Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les Ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de février. Allez, c'est parti sans plus tarder, abonne-toi, partage, diffuse cette guidance magique. Et c'est parti, on y va avec le message de l'ange Indigo. L'auto-réflexion, magnifique l'âme. Donc du coup, je vais vous montrer parce que vous avez été nombreux à me dire voilà, en commentaire. Et je vous remercie d'ailleurs parce que ensemble on avance, ensemble on progresse. D'ailleurs, j'ai investi dans un trépied qui devrait bientôt arriver. Voilà, tout simplement, à quoi sert aussi l'argent? Donc voilà, tout simplement l'auto-réflexion. Vous m'avez expliqué en fait que vous ne voyez pas trop les cartes et du coup, vous aurez aimé qu'on voit les lames en fait. Et donc du coup, je vais répondre à vos demandes très bientôt. Voilà, tout simplement, l'auto-réflexion. En permanence, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes en auto-réflexion? Est-ce que vous réfléchissez déjà assez? Oui, tu vas me dire. Est-ce que tu es sûr? L'auto-réflexion, c'est de réfléchir dès le matin, dès qu'on se lève. Le matin, tu te couches déjà plus tôt et tu te lèves plus tôt. Et dès le matin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sur ton téléphone? Est-ce que tu es sur... Dis-moi, qu'est-ce que tu fais en priorité? Est-ce que tu te poses et tu réfléchis? Ça va devenir une habitude. Si tu fais ça chaque matin, dès que tu te lèves, tu réfléchis sur ce que tu vas faire de ta journée. Alors, au bout d'un moment, tellement que ça va être une habitude, ça va devenir une auto. L'auto-réflexion, c'est ça en fait. Tu vas réfléchir sur ce que tu fais aujourd'hui dans ta journée. Merci l'ange Indigo pour ce magnifique message. Allez, c'est parti sans plus tarder pour cette guidance pour vous, les Verseaux et les Ascendants. Waouh, magnifique d'ailleurs. Ce qui est déjà en vous. Alors, je vais vous montrer très clairement. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? L'unité. Donc, l'unité, elle est sortie. Donc, Archange Sandalphon est ici avec nous. Donc, magnifique. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, vous savez, la petite fille loup vous indique qu'il est normal de rester seul. Il est vraiment normal de rester seul puisque la solitude, en fait, vous permet de vous connecter à vous-même et d'apprendre à mieux vous connaître. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pourquoi rester dans la solitude serait un mal? Il n'y a pas de mal. Par contre, d'être dans l'isolement, alors là, ça peut poser quelques problèmes. Bien sûr, tu as du mal à être dans la solitude et tu te confortes à rester avec plein de monde pour pas être dans cette solitude, alors forcément, il va y avoir des souffrances qui vont arriver. Bien sûr, le 10 d'eau t'indique que si tu veux une vie familiale heureuse et enrichissante, que tes besoins affectifs et matériels soient comblés, il faut que tu aies des relations dignes de confiance d'ailleurs. Et donc, comme tout est déjà à l'intérieur de toi, ce qui est déjà est avec toi en permanence, cela veut dire en fait très clairement ici que tu es que tu es une personne dans l'amour. Donc du coup, si tu n'es pas une personne dans l'amour, que tu as un manque de confiance, un manque d'estime de toi, comment veux-tu attirer à toi les personnes qui te correspondront par la suite? L'anneau des fées nous indique que tu vas avoir des nouvelles capacités qui vont arriver, une formation pointue, peut-être que tu es en cours de formation, donc magnifique, félicite-toi pour cette magnifique formation, pour ce que tu es en train d'étudier, donc ça c'est quand même formidable, il n'y a
pas beaucoup de personnes qui se forment en permanence. Donc félicite-toi pour ça. Et bien sûr, ben, plus tu vas te former, plus tu vas apprendre et plus tu seras dans l'amélioration rapide de ta vie, très clairement. Bien sûr que la fée délicate et son furet, juste en le regardant, vous indiquent que le changement, il est naturel, mais bien sûr, il est très douloureux. Pourquoi ? Parce que le changement est automatique, mais dès que tu vas changer ta mauvaise habitude contre une bonne habitude, alors ça va être une douleur. Mais il faut vraiment que tu prennes conscience que l'opportunité est de l'autre côté de ton confort, tout simplement. Bien sûr, l'unité, l'archange Sandalphon nous indique qu'il faut que tu aies un point de vue ou des méthodes d'inspiration traditionnelles. Peut-être il faudrait que tu trouves des mentors, donc des personnes que tu aimes et que tu apprécies et que tu veux suivre parce que ils ont une belle énergie, un beau dynamisme et tu as envie de ressembler d'une certaine façon à ces personnes-là. Donc trouve des mentors, peut-être moi ou d'autres. Mais surtout, fréquente des amis qui partagent tes idées. Toujours rester avec des gens qui partagent tes idées, avec des personnes qui sont positives, des personnes qui vont de l'avant. Si tu souhaites y aller aussi, si tu aimes procrastiner, reste avec des procrastinateurs. Si tu aimes perdre du temps dans ta vie, eh ben, tu restes avec des personnes pareilles. Voilà. C'est vraiment faire très attention avec qui tu veux rester. Voilà. Bien sûr, la lame du rêve collectif nous invite très clairement, et d'ailleurs cette lame, elle va te parler. Le rêve collectif, c'est dès que tu te couches, en fait, quel rêve tu es en train d'effectuer. Le matin, tu te lèves, est-ce que tu prends le temps, donc l'auto-réflexion hein, ici présent, est-ce que tu prends le temps de réfléchir à marquer sur une feuille les rêves que tu as eus. Il faut vraiment savoir que le rêve collectif, dès que tu vas prendre conscience de ton rêve, à un moment donné, ton rêve est aussi le rêve de toutes les personnes, puisqu'on est tous connectés. Donc fais très attention à prendre conscience de ton rêve. Voilà. Il faut vraiment le noter, voilà, parce qu'on l'oublie. Bien sûr, il faut que tu lâches prise avec l'obscurité. Lâcher prise avec l'obscurité va t'amener en fait très clairement à te rendre compte en fait que ben tu n'es pas qu'une personne formidable, que tu as aussi des ombres, parce que nous sommes faits d'être d'ombre et de lumière. Donc il faudra quand même que tu te focalises sur cette partie d'ombre que tu as, tout en enlevant cette partie de lumière que tu ressens. Tu comprends? Parce que en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si tu enlèves cette partie d'ombre et que tu gardes que la partie lumière, tu vas être dans un monde de bisounours. Beaucoup de personnes vont dire « Waouh, c'est une personne perchée ». Si tu restes que dans cette partie ombre en enlevant la partie lumière, tu seras une personne pessimiste, gothique, une personne dans l'ombre. Donc du coup, ça ne va pas aller. Donc il faut vraiment que tu fasses un équilibre entre les deux, entre ta partie ombre et ta partie lumière. Et c'est bien pour ça qu'il faut que tu arrives à te connaître davantage dans la solitude. Donc c'est bien pour ça qu'il est bien normal de rester seul. Et ça, il ne faut vraiment pas que tu aies peur de ça. Bien sûr, le page d'air vous indique, t'indique qu'il va y avoir des informations déstabilisantes autour de toi pour ce mois, des retards qui vont s'accumuler, des changements qui vont être apportés à tes projets, parce que il y aura peut-être une vérité qui va être énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc fais très attention à ce que tu vas expérimenter pour ce mois, tout simplement. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette guidance, les Verseaux et les Ascendants. Je vous retrouve très très vite. Et si tu veux une consultation privée, je t'attends de l'autre côté.